Merci. On retient notamment de votre prédication l'essentiel des rencontres, ces rencontres humaines qu'on peut faire et qui vraiment peuvent travailler notre cœur, ouvrir notre cœur. Et justement, maintenant, nous allons accueillir deux jeunes femmes qui habitent le Havre, qui sont extrêmement dynamiques et qui, par leur rencontre, ont pu changer leur regard, faire évoluer leur regard. J'invite à me rejoindre sur le plateau Clémence Watkan et Anne-Sophie Thomas. On peut les applaudir. Soyez les bienvenus. Merci. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de témoigner devant une si grande assemblée. C'est pas forcément évident. C'est vrai. Mais ça va très bien se passer. On est, moi-même, je bafouille. Mais on est en famille, donc voilà. On est heureux de vous accueillir. Alors, Clémence, est-ce que tu pourrais nous dire un peu qui tu es et quel a été ton parcours professionnel ? Bonjour, je m'appelle Clémence Watkan, j'ai 25 ans. Je travaille à Vauban, une entreprise adaptée en tant qu'opérateur logistique. Je fais du tri, je fais des tournées. J'ai trois sœurs et j'ai mes parents où je vis chez eux. Et mes sœurs ne sont plus chez nous. Et je fais aussi de l'aviron. Je fais des entraînements trois fois par jour d'aviron. Trois fois par jour ? Non, trois fois par semaine. Oui, trois fois par semaine. Parce que là, je me dis comment tu peux gérer ton travail et tes trois entraînements par jour. Mais c'est vrai que quand même, tu as un sacré niveau parce que tu es arrivé, je crois, dans une compétition internationale. Oui, j'ai été championne du monde d'aviron en 2020. Et je fais... Tout de suite, ça calme. C'était en compétition d'aviron indoor, c'est ça ? Oui. En compétition indoor, je m'entraîne beaucoup dans mon club que j'aime beaucoup. Et c'est ma deuxième famille. Et Très bien. Ouais. Alors, Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, comment tu as rencontré Clémence ? Alors, moi, je suis une amie de Clémence. J'ai tissé des liens très forts avec Clémence. On se connaît depuis 5 ans maintenant. On s'est rencontrés dans le cadre de notre association, qui est le projet de l'Arche au Havre. Donc, en fait, on construit avec Clémence et avec tant d'autres qu'elle représente ce soir, une communauté de l'Arche ici au Havre. Donc, une communauté de l'Arche, c'est 2-3 foyers dans lesquels on a des personnes en situation de handicap mental et des personnes dites valides qui choisissent d'une vie partagée au quotidien, comme le ferait une vie de famille avec un papa, une maman, des enfants. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai connu Clémence et qu'on avance ensemble vers cette communauté. C'est novateur parce que c'est un projet en cœur de ville, complètement inclusif et qu'on souhaite justement être vecteur de cette inclusion au quotidien, là dans un tissu social et puis grâce à vous peut-être dans un tissu économique. Mais voilà notre projet. Alors Clémence, tu nous as parlé de ton travail, de tes compétitions de aviron et de plein de choses très réjouissantes, mais je crois que tu as rencontré aussi des difficultés. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, je ne connais pas très bien mon handicap, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une RQTH, une reconnaissance travailleur handicapé, et quand j'étais petite, j'ai été en CLIS, ensuite j'étais en UICIC, et j'ai vu des psychologues et des éducateurs du CESAD qui m'ont appris à m'orienter dans ma vie, à prendre le bus, et maintenant je suis suivie par le SAV. C'est des gens qui permettent de m'aider à prendre mes rendez-vous de médecin, prendre aussi le temps de faire mon CV, mes lettres de motivation, et à apprendre ma vie sociale, quoi. Toi qui connais bien Clémence, Anne-Sophie, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait changer sa vie ? Qu'est-ce qui pourrait l'aider ?
Alors, typiquement, j'ai terminé ma dernière question sur l'insertion, mais ce qui aiderait Clémence, c'est justement qu'elle ait un rôle économique aussi dans notre monde, que cette insertion, elle soit pas que éventuellement sociale, qu'elle existe, qu'elle ait une place, que quelqu'un lui ouvre une porte dans l'entreprise. Moi, je travaille ici, au Havre, à la BRED, Banque Populaire, et parce que maintenant, je suis sensibilisée au monde du handicap, je vois à quel point ce changement de regard est long, il est lent. On a une cellule spéciale de mission pour le handicap qui sensibilise, qui apprend, qui nous fait découvrir, et puis qui ouvre les portes sur certains postes adaptés. Et en fait, c'est vraiment ça dont a besoin Clémence et tous les autres, encore une fois, c'est une porte-parole ce soir. C'est pouvoir se dire, vous tous, dirigeants, qui êtes en position de prendre des décisions dans l'entreprise, c'est pouvoir se dire, je peux oser ce changement, je peux faire un choix qui a du sens, donner une chance à quelqu'un qui en est capable et... Ça, j'en suis persuadée. Maintenant que moi, je suis convaincue que cette fragilité est source de richesse, je suis persuadée que d'une part, c'est une richesse pour l'entreprise humaine, une richesse humaine, mais l'entreprise n'est pas que philanthropique, c'est aussi une richesse économique, Clémence. Si le poste est adapté, sans angélisme, en sachant qu'il y a des limites, elle remplit une fonction économique, elle remplit son rôle, on voit par la motivation dans le sport et tout ça. Il y a une vraie capacité, il faut connaître les limites, mais voilà, ce que je souhaite pour Clémence, c'est une insertion économique dans le tissu de la ville, et puis pour tous les autres qui sont derrière Clémence. Toi, qu'est-ce que tu voudrais en particulier, Clémence, et peut-être, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais ? Ce que je changerais, c'est plusieurs choses. J'aimerais changer plusieurs choses. D'abord, c'est avoir un appartement vu sur la mer. Alors là, t'es pas la seule. On est beaucoup à partager ce désir. Au Havre, peut-être qu'il y en a pas mal qui l'ont. D'avoir un élevage de Jack Russell, mais en vrai... Un élevage de Jack Russell, alors là, il y a peut-être moins de personnes amateurs, mais bon, pourquoi pas, hein. Mais en vrai, trouver une entreprise qui me permette de donner ma chance à avoir un CDI et avoir une chance aussi de... trouver une entreprise qui me responsabilise et me mette plus autonome pour que je puisse faire mes compétitions et mes entraînements en même temps de cette entreprise. Super. Et pour toi, Anne-Sophie, toi, si tu avais une baguette magique ou peut-être aussi, qu'est-ce que tu retiens de ta rencontre ? Avec Clémence. Alors, moi, c'est vraiment ma baguette magique à moi. J'en ai eu besoin un jour dans ma vie, hein, donc je peux en témoigner facilement, mais c'est faire en sorte qu'aujourd'hui, on voit les capacités d'une Clémence et de tant d'autres avant d'en voir les limites. Moi, j'avais avant un filtre. Clémence était une personne porteuse de handicap. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça la réalité. C'est que Clémence est capable de plein de choses et on passe à côté de cette richesse-là. Donc ma baguette magique, c'est que tout cela, vous ayez un regard que j'ai enfin découvert et qu'il soit partagé par tant d'autres pour oser changer le regard sur le handicap. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci à vous. Merci à toutes les deux d'avoir osé venir témoigner devant nous. Et voilà, pour nous, vous rencontrer aujourd'hui avec ce que vous faites au sein de Agir avec les EDC, c'est vraiment voilà, trouver une manière concrète d'incarner tout ce dont le Père Maïas nous a parlé. Exactement. Pour convertir notre regard et voilà, se rencontrer dans nos différences et voilà, transformer nos cœurs. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous tous. Alors, je crois que Clémence est non seulement une grande championne d'aviron, mais qu'elle est aussi fan du groupe Glorious. Oui, c'est vrai en plus. Alors, je ne sais pas si tu sais que parmi les musiciens, il y a le batteur de Glorious. Salut. Alors, lui, il est un petit peu loin, mais il y a aussi Marie, qui est l'une des chanteuses de Glorious. Donc, je te propose de l'embrasser. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Pour toi.